Et si on écoutait une love story ? Aujourd'hui, une histoire d'amour pas ordinaire. On est au XVIIe siècle, à Grenade, jolie bastide médiévale de la campagne toulousaine. Voici que se déroule ici une histoire d'amour à l'épilogue inattendu que je vais vous raconter un peu à ma façon. Une façon décalée et peut-être même un peu ringarde. Allons à la rencontre des deux amoureux. Fleurette de Cassassus, charmante demoiselle et élève au couvent des Ursulines de Toulouse. Jean de Pintis, lui, est un gentilhomme du Languedoc, propriétaire aisé. Jean est amoureux. Ma chère Fleurette, vous êtes plus douce qu'une aniel et plus timide qu'une biche. Et je vous trouve fort belle et fort désirable. Mais Fleurette est bien triste car son amie la délaisse pour partir en voyage loin d'elle. Voici que Jean part pour Paris et tombe dans un guet-apens. Il est en grand danger d'être assassiné. Seigneur mon Dieu, je fais un vœu. Si vous me tirez de ce mauvais pas, si vous me sauvez, c'est promis, c'est juré, je me ferai moine capucin. Ouf ! Le ciel entend Jean et vient à son secours. Le gentilhomme est sauvé du guet-apens et il rentre sain et sauf chez lui à Grenade. Le voilà qui retourne voir sa douce amie. Ma Fleurette, figurez-vous que pour être sauvé d'un traquenard où j'étais sur le point d'être trucidé, j'ai fait le vœu de devenir moine capucin. Mais mamie, me voilà dans un grand tourment, un grand embarras. Je ne peux pas m'y résoudre. Comment vivre sans vous ? Je vais de ce pas demander à Rome la dispense de mon vœu. Jean présente sa requête à Rome et la dispense lui est accordée. Il est soulagé, il ne sera pas obligé de devenir moine. Mais comble de malchance, il tombe dans un deuxième traquenard et le voici sur le point d'être trucidé de nouveau. Pas gêné du tout, il fait la même promesse. Seigneur mon Dieu, je fais un vœu. Si vous me tirez de ce mauvais pas, si vous me sauvez, c'est promis, c'est juré, je me ferai moine capucin. De nouveau, le ciel entend Jean et lui apporte son aide. Il est sauvé et rentre chez lui, sain et sauf, à Grenade. Mais la passion qu'il a pour la demoiselle lui donne un très grand chagrin. Jean réfléchit tout seul. Là, c'est impossible. Vraiment, je ne peux pas demander une nouvelle dispense à Rome. Je veux bien me faire moine, mais je ne veux à aucun prix qu'un autre homme, que moi, épouse ma Fleurette. Ma Fleurette, il faut que je me fasse moine. J'en ai fait le vœu. Aimerais-tu, toi aussi, te faire religieuse ? Quelle belle vie nous aurions tous les deux. Fleurette. Puisque je ne veux pas vous épouser, je me ferai Ursuline. Eh bien, j'en suis ravi. Et je donnerai mes terrains de la rue des Noyers aux Ursulines de Toulouse pour qu'elles y fondent un couvent. Et voilà comment les religieuses Ursulines s'installent à Grenade en décembre 1626 pour y fonder leur couvent. Elles sont reçues avec joie par les habitants et particulièrement par Jean de Pintis qui va leur porter les clés de sa maison et leur donne en plus deux métairies. Fleurette étant devenue religieuse, Jean de Pintis exécute sa promesse et devient moine au couvent des Capucins. On dit qu'un souterrain reliait les deux couvents situés à quelques centaines de mètres l'un de l'autre. Hey, salut, c'est moi, la voix. Vous m'avez peut-être reconnue, je suis Camille de l'Office de Tourisme. On espère que cette visite vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube juste ici pour suivre les prochaines visites numériques de l'Office de Tourisme des Hauts-Tolosans. Retrouvez dans la description les crédits photos, ressources documentaires, liens vers nos réseaux sociaux et nos coordonnées. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Autant couleurs en Hauts-Tolosans. Salut !